Chers participants, Monsieur Madame la directrice de MCC, Monsieur le secrétaire d'État, Head of MCC, Mr. Secretary of State, it's a real pleasure for me to be the beneficiary and the actor in this regional compact, dans la coopération entre which les gives et les pays more dynamic to the cooperation une between the United States and Africa. It's a major innovation that we see in international cooperation and in cooperation between the U.S. and Benin and our brother country, Niger. As the Secretary of State has just said, this is an innovation that should be noted because it will help deux pays voisins, le Niger et le Bénin, bring together two neighboring countries plus to plus make pour le the space more attractive to business très grande, people. You know, Africa mais is very certains large, des pays but some countries des marchés, are assez petits, fairly small et, markets. And le business, l'attractivité de nos pays, donc dans un tel contexte parfois est faible. The business world et, is small. En améliorant la collectivité entre les pays d'Afrique, notamment ceux dont les marchés sont petits, c'est une belle façon d'augmenter l'attractivité de ces zones-là. Et c'est en cela que le compact régional qui va être signé tout à l'heure, qui a été conclu, est une innovation majeure. Je voudrais inviter ou prier le MCC, notamment sa directrice générale, les autorités américaines, de persévérer dans cette voie-là et que bientôt nous puissions initier des compacts qui seront orientés vers la promotion d'investissements américains privés dans nos pays. Ce qu'on constate malgré tous les efforts que les pays font pour améliorer le climat des affaires, que le nombre d'investisseurs américains privés est faible sur le continent. Le compact peut être un instrument, tel que nous venons de l'observer, pour améliorer l'attractivité. Le compact peut être un instrument pour promouvoir l'investissement privé dans nos pays. Parce que le développement ne peut pas venir durablement rien qu'avec les investissements dans les infrastructures, avec les investissements dans tout ce qui concerne les bases pour le développement. Mais pour qu'il soit réel, il faut effectivement que les investissements privés viennent sur ce continent. C'est le seul moyen de créer un développement réel durable. Je voudrais donc finir par ce message-là. L'attractivité de l'Afrique doit être un élément dans le rapport entre les États-Unis et chacun de nos pays pour que le privé prenne le relais des efforts que font les uns et les autres dans la promotion de l'économie africaine. Merci. Merci aux autorités américaines pour cela. Merci. Your Excellencies, honored guests, please welcome Mohamed Bazoum, President of the Republic of Niger. Monsieur le Président Patrice Talon, Président du Bénin, cher ami, cher frère, Monsieur le Secrétaire d'État Blinken, Madame Alice Albright, CEO de Compact Millennium Challenge, Mesdames et Messieurs, je voudrais à mon tour dire ma joie to say how happy I am to participate in this signature in a few moments, the signature which launches this regional compact between Niger and Benin. Le Bénin, Benin est un partenaire stratégique is a pour le développement du Niger parce que le port de Cotonou est le port le plus proche de Niamey. Port il se situe à 1000 km. Nous avons depuis longtemps considéré que c'est notre port naturel et nous avons développé tous les instruments nécessaires pour que nous ayons une relation qui rende viable
l'économie du Niger en se basant sur ce corridor que nous lions au Bénin. By linking, nos amis américains ont compris cela en faisant en sorte que nous disposions d'infrastructures de qualité entre nos deux pays. Nous sommes sur la fin du pacte nigérien qui a investi énormément déjà dans les infrastructures routières sur cet axe Bénin-Niger. Ce compact régional va venir consolider ce qui a été déjà fait. C'est exactement les vœux que nous pourrions exprimer qui sont pris en charge dans le cadre de ce projet. Je voudrais à cet égard rendre hommage à la coopération américaine avec le Niger et la coopération américaine avec nos deux pays, le Niger et le Bénin. Il y aura en plus des investissements dans les infrastructures, des réformes institutionnelles qui vont être mises en œuvre et qui faciliteront singulièrement la fluidité du commerce et de l'interaction entre nos deux pays. Le gouvernement américain, en procédant de la sorte, va au-devant de nos voeux, va au-devant de notre volonté, et c'est une raison supplémentaire pour nous de considérer que nous avons affaire à un partenaire attentif à nos attentes et qui fait les choses conformément à ce que nous ne pouvons penser au mieux de nos intérêts. Voilà pourquoi, Madame, je voudrais vous remercier et vous dire notre engagement à faire en sorte que les infrastructures ainsi que les réformes qui vont être mises en œuvre soient exploitées de la façon optimale possible pour que nous renforcions les relations entre le Bénin et le Niger. Merci beaucoup. Between Bénin and Niger. Thank you very much.